Allez, salut, c'est Seb, on se retrouve sur LMU. J'avais pas fait de vidéo depuis la dernière grosse mise à jour. J'ai pas vu vraiment de véritable changement, ni dans les perfs, ni dans l'ensemble du jeu. Bref, on est donc sur Monza. Ça fait peur et on est en P2. Donc, je suis toujours en beginner au niveau du rating. J'ai pas fait une cinquantaine de courses, donc c'est peut-être aussi la raison. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Surtout sur le premier frein, la chicane que vous connaissez. Allez. Alors pour une fois, il m'a pris les bons carburants. J'espère que ça va pas me jouer des tours. J'ai mis 11 tours, je pense. Aucune idée, à savoir si ce sera correct. Allez, on croise tout ce qu'on peut. Alors, je crois que je suis P9. Allez, messieurs. Oh là, lui là-bas à droite, là. Non, non, les gars, non, mais regardez-moi ça, mais. Non, mais. Voilà, oh là, ça commence. Allez, ça pousse, ça dégage. Ah mais quand je les ai vus débouler les gars mais... Ah ça c'est en force quoi. Forcément il y a des nouveaux, hein. LMU dans le Sim Racing je pense qu'ils sont juste arrivés là-dessus. Moi je vais juste s'en sortir vivant. 16 minutes de course je rappelle. Et ça bloque les roues. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Tu peux même pas attaquer parce que t'as pas envie de les rejoindre, ces couillons. T'as pas envie de se mettre à leur hauteur, tellement c'est dangereux. On va se décaler pour le frein. Alors je sais pas encore hein, si le record va se faire et si je vous mettrai la caméra de côté. Mais auquel cas, dites-moi si ça vous dérange la vibration de la piste. J'essaye d'avoir le véhicule stable pour avoir une continuité sur mon affichage. Moi aussi pour vous c'est gênant à la lecture. Parce que si je stabilise en version low ou même l'horizon, c'est vrai que j'ai le tableau de bord qui vibre un peu. Alors c'est plus lisible pour moi en termes de piste, de visibilité, mais derrière, je trouve que c'est pas très réaliste. Allez, on va essayer de doubler ces couillons là. Traite des couillons mais ils sont plus rapides que moi donc là, ça joue au chat à la souris et il y en a qui vont perdre gros.
C'est chaud, hein. Même catégorie, donc forcément. Je l'ai vu arriver derrière, mais moi je suis obligé d'être focus devant aussi, donc là c'est pas simple. Des places à gagner. Ouh. Et des places à, oh, à perdre. Je me suis fait surprendre déjà une fois, donc deux fois dans le même virage. À la 13e place, c'est pas bon. Je sais pas si c'est un split élevé, mais ouais, déjà plus que 10 minutes. L'aspi, c'est difficile parce que devant il a l'aspi aussi. Ah, c'est très chaud pour gagner des places. À part les erreurs de. De devant, mais me ressortir sur un virage. Là, il y a moyen. Plus on va s'approcher de la fin, et plus ça va commencer à se durcir. Je sais pas s'il y a un paramètre, mais j'ai l'impression que elle bloque le, comme si elle bloquait le pont. Je crois que j'ai auto-blip. Bizarre. Ouais, je suis pas mal pour l'attaquer. On va voir comment il se positionne. Thank you.
Alors, gauche, droite. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Regardez-moi ça. Voilà. Vous avez vu un peu ça, l'aspect sportif? Allez, petit appel de phare. Pour vous montrer que j'ai pas apprécié du tout. Bon, dans le jargon, on appelle ça un bel enculé. Hein. Ouais. Allez, 6 minutes. Allez, P12. On va se montrer. Ah, il y a un tout petit drapeau jaune. Allez, ça va pousser là maintenant. Ça va pousser, ça va défendre. Oh là, ça va mal finir. Allez, lui, il a essayé d'attaquer, il s'est fait avoir. Allez, j'ai un petit peu la speed du mec devant. Voici que je peux jouer à serré. Faudrait que je me place juste devant lui. Ce sera pas possible. Et voilà. Voilà comment on passe de façon fair play. En étant juste un poil plus rapide. Je me jette pas des fleurs, hein, mais il y a moyen de passer sans... Bref, allez, P11. Allez, devant, il est prenable aussi. Minutes 50. J'aimerais bien reprendre un P10. C'est chaud. Ah ouais, c'est allume.
Les pneus, c'est mort. Pélis, allez. Il doit rester deux tours. Te loupe pas au frein derrière. Le dixième. Il n'a pas l'air serein devant. Ouais, ça s'est tué. Je l'avais dit que sur les derniers tours ça allait prendre des risques. Ah, attends, tu plaisantes, une place c'est une place. Hein. Voilà, comment il va se comporter au frein lui maintenant. Sachant que derrière il me reste un tour. Pousse-moi. Avertissement. Bah oui, c'est de ma faute. Le tour d'avant, j'y arrive et là, j'y arrive pas. Allez, c'est pas grave. Focus. Vous voyez le pont, ce que je disais tout à l'heure. C'est bizarre. Des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas. Je comprends pas là. Derrière c'est revenu. Enfin je regarde ça. Du coup je me suis mis en danger. C'est con. Pas l'impression que ça le faisait ça avant. Au rétrogradage. Il y en a un qui est mort. Non, c'est un retardataire. Je crois que c'est fini. P9, il me semble. Oui. Bon, c'est une course assez mouvementée. Hein, le fait d'avoir justement des. Une monocatégorie comme ça, pas de setup, c'est vrai que ça lisse pas mal le niveau, mais bon, il faut se sortir un peu du bourbier parce que bah, vous avez vu hein, sur le départ déjà, allez à fond les gars, à fond, on prend 4 places, on prend des risques mais c'est pas grave, bref, allez, on se retrouve dans les commentaires pour en parler, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez l'astuce à la descente de rapport, pourquoi le, ouais, je dirais le pont se bloque derrière et elle part, je ne sais pas, bref, allez, on se dit à une prochaine, tchuss.